Nigériens, mes chers compatriotes, demain jeudi 3 août 2023, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, nous célébrerons la proclamation de l'indépendance de notre pays, intervenue le 3 août 1960, jour anniversaire qui a été d'ailleurs décrété fête nationale depuis le 25 mai 2023. C'est certainement le moment alors d'avoir une pensée pieuse pour les pères fondateurs de notre jeune État et pour tous ceux qui ont œuvré à travers les générations à donner une traduction concrète et un véritable sens à la souveraineté internationale du Niger ainsi proclamée. Cela aussi bien sur le plan politique qu'économique et culturel. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la commémoration de la proclamation de l'indépendance du Niger intervient cette année dans un contexte particulier. Celui de la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mettant ainsi fin au régime de la 7e République. C'est le lieu de réitérer très clairement que la seule raison ayant motivé l'action du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est et demeure la sauvegarde de notre patrie, le Niger. En effet, c'est à notre corps défendant que nous avons dû intervenir pour mettre fin à la gestion par le régime déchu de la question sécuritaire au Niger, la gestion qui, objectivement, a montré ses limites et qui ne laissait véritablement entrevoir aucune solution de sortie de crise à moyen ou long terme. C'est tout simplement de la vie des Nigériens et de l'existence même du Niger en tant qu'État dont il est ici question, au-delà des problèmes de personnes et de querelles politiciennes pour la conquête et la conservation du pouvoir. À cela, il faut ajouter les problèmes devenus désormais endémiques de corruption généralisée et d'impunité, de gabegie, de détournement de deniers publics, de clanisme partisan, de radicalisation des opinions et positions politiques, d'atteinte aux droits et libertés démocratiques, de dévouement du cadre étatique au profit des intérêts privés et étrangers, des populations laborieuses, d'une école en crise et l'effondrement de notre système de santé, toutes choses que les Nigériens vivent dans leur être et dans leur vie au quotidien. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, à ce stade de mon propos, permettez-moi de faire remarquer que les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont pris le pouvoir sans aucune effusion de sang, grâce à Allah. Aucune perte en vie humaine n'est en effet à déplorer. Ensuite, même après avoir pris le pouvoir et jusqu'à 72 heures après, nous nous sommes abstenus de toute action répressive contre le teneur du régime déchu. C'est ainsi que même à titre préventif, comme cela se faisait toujours en pareilles circonstances, nous n'avons procédé à leur interpellation. Ils ont continué à jouir de leur liberté
de circulation et d'expression. Enfin, par devoir envers le peuple nigérien et conscient de la gravité du moment que vit notre pays, nous sommes toujours restés avec humilité à l'écoute de toutes les parties concernées et ouverts au dialogue pour qu'une fois l'émotion passée chez les uns et les autres, nous puissions ensemble créer les conditions d'une transition apaisée devant déboucher dans un délai relativement court et raisonnable à des élections générales, mais surtout une meilleure approche dans notre lutte contre le terrorisme et les autres maux économiques et sociaux qui minent le développement du Niger. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ces gestes d'apaisement et ces gages de responsabilité, cette volonté de ne pas réprimer de façon arbitraire les teneurs du régime de Chi, car cela relève des seules prérogatives de la justice nigérienne, ce souci constant de ne pas ajouter des difficultés supplémentaires au quotidien du Nigérien ont été assurément mal interprétés et exploités par tous ceux qui, par égoïsme et par manque de patriotisme, pense pouvoir encore déstabiliser la transition en cours dans notre pays. En effet, ils ont ainsi cru voir en notre retenue des hésitations dans notre action. Ils ont cru voir une absence de cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Ils ont cru voir de supposées connivences avec tel ou tel acteur, voire une absence de vision globale des enjeux et des perspectives. Seulement, le temps a jusqu'ici permis d'apporter un ferme démenti à leurs allégations mensongères, mais surtout aux Nigériens de comprendre le sérieux et la sincérité de notre action salutaire pour Nigériennes, Nigériens, mes chers. D'abord, toutes les forces de défense et de sécurité ont adhéré à notre action. Cela à travers leurs commandements respectifs, comme l'atteste le communiqué de l'état-major des armées en date du 27 juillet 2023 et la présence de tous les chefs militaires nigériens à nos côtés. Non, les forces de défense du Niger ne vont jamais se diviser et s'entretuer pour de basses raisons politiciennes. Notre grande famille de forces de défense et de sécurité est le creuset de l'unité nationale du Niger et c'est tous ensemble que nous faisons face à l'ennemi sur le terrain et souvent au prix du sacrifice suprême. Ensuite, le fier peuple du Niger a toujours fait corps avec son armée et l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont l'émanation profonde du peuple nigérien qui sait pouvoir compter sur elles dans les moments les plus difficiles. Non, le peuple nigérien ne va jamais se soulever contre ses forces de défense et de sécurité, ses propres fils. Enfin, les populations du Niger ont une vieille tradition de vivre ensemble et de coexistence pacifique. Le brassage ethnique et social, le lien de cousinage, nos valeurs traditionnelles africaines et surtout religieuses constituent le ciment de notre unité nationale. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, aucun facteur politique interne ne s'oppose véritablement à l'action salutaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Au Niger, cette action suscite plutôt l'espoir d'un véritable changement d'approche dans notre lutte contre le terrorisme et une gestion patriotique et souveraine de notre État. Aussi, je m'engage solennellement à donner corps à cet espoir et à ne jamais trahir les aspirations du peuple nigérien, seul d'une vie meilleure, un espace nigérien et sous-régional sécurisé. S'agissant enfin de la mise en place de notre nouveau gouvernement et de la
poursuite de la transition. Soyez rassurés, Inch'Allah, avec votre ferme soutien, nous, le peuple souverain du Niger, rien n'ébranlera notre marche résolue au service du Niger. Je vous demande donc de faire entièrement confiance au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sur ce point. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, à la vérité, ce ne sont pas les Nigériens qui s'opposent à la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nos compatriotes, dans leur écrasante majorité, ont plutôt accordé leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, depuis le 26 juillet 2023, ils se sont souvent de façon spontanée mobilisés par milliers en faveur du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Les oppositions viennent plutôt de quelques individus qui pensent avoir un droit particulier sur l'État nigérien et qui sont en lien avec certains lobbies et des puissances étrangères. Mais elles viennent surtout de certains de nos partenaires de la lutte contre le terrorisme et de certains chefs d'État de notre sous-région qui sont en train d'instrumentaliser nos institutions communautaires à des fins égoïstes et lobbyistes. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de certaines puissances étrangères partenaires, comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin de fait à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. Elle crée la méfiance entre partenaires et anéantit tous les efforts jusqu'ici fournis par la communauté internationale dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Mais surtout, elle amène les Nigériens à se poser un certain nombre de questions. En effet, comment pouvez-vous comprendre aider le Niger à lutter contre le terrorisme qui touche nos laborieuses populations et suspendre la coopération militaire à la moindre difficulté? Comment expliquer qu'un partenaire, sur des questions aussi sensibles, décide de suspendre sa coopération militaire à un moment crucial de la lutte contre le terrorisme au Niger et dans notre espace sahélien? Le souci d'un gouvernement civil élu peut-il être au-dessus de la préservation de la vie des Nigériens et de leur vivre ensemble, ou encore au-dessus du Niger, de ses intérêts vitaux et existentiels? Chacune et chacun se fera son intime conviction et s'assumera conséquemment. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, mais ce qui a surtout surpris les Nigériens, c'est le communiqué du gouvernement d'un pays partenaire qui menace le Niger de recourir à la force pour protéger ses citoyens, sa représentation diplomatique et ses intérêts au Niger, alors même qu'ils n'ont jamais été l'objet de la moindre menace. Comment une question de maintien de l'ordre suite à des manifestations pacifiques de rue peut susciter chez des autorités politiques au plus haut niveau une réaction aussi excessive? À ce niveau, l'on peut à juste titre se demander s'il est juste et humain qu'un gouvernement ordonne l'usage de la force militaire contre les populations nigériennes pour protéger ses ressortissants. Pour notre part, nous estimons que la vie humaine est sacrée. La vie des Nigériens, aussi bien que celle de tous nos frères et amis résidant au Niger, ils n'ont donc aucune raison objective de quitter le Niger.
Le gouvernement et le peuple nigérien, fortement attachés à nos valeurs de justice et d'hospitalité, sont prêts à continuer à assumer leur sécurité. Sauf si cela s'inscrit dans une approche politicienne inavouée qui consiste à créer la psychose sécuritaire dans les esprits. Aussi, nous appelons tous les Nigériens à manifester leur position sans violence dans le respect de la vie humaine, cela conformément à la loi et à nos valeurs traditionnelles d'hospitalité et d'accueil. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, s'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger. Allant jusqu'à confisquer les avoirs du Niger ou encore menacer le pays de recourir à la force pour rétablir le régime déchu. Ces sanctions sont cyniques et iniques. Elles sont prises dans le prolongement et en coordination avec les sanctions déjà prononcées par certaines puissances étrangères qui ont fortement influencé leur survenance. Elle vise à humilier les forces de défense et de sécurité nigériennes, le Niger et son peuple. En effet, de leur entendement, d'abord les sanctions économiques et financières devaient créer les conditions pour paupériser davantage nos populations, révolter les travailleurs et impacter négativement la vie des Nigériens dans leur quotidien. En somme, pour rendre la situation intenable et le pays ingouvernable. Ensuite, une intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays, les souffrances des Nigériens qui ont déjà consenti d'énormes sacrifices à ces jours, les intérêts de nos populations et ceux du Niger. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Nous en appelons donc au peuple nigérien dans son ensemble et son unité pour faire échec à tous ceux qui veulent infliger d'indicibles souffrances à nos laborieuses populations et déstabiliser notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc le moment par devoir de vérité de vous dire que les semaines et les mois à venir seront certainement difficiles pour notre pays. Ceux qui s'opposent à nous sont sans limite lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts égoïstes. Ils ne s'arrêteront que face à la ferme détermination du peuple nigérien à défendre ses intérêts et sa souveraineté. Ils ne s'arrêteront que face à un peuple uni et solidaire mené par des dirigeants patriotes. Ils ne s'arrêteront que face à notre résilience et notre engagement à défendre notre dignité, notre liberté et notre pays. Alors, s'ils
devraient aller jusqu'au bout de leur logique destructrice, puisse Allah veiller sur le Niger et faire en sorte que c'est le dernier grand combat que nous allons mener ensemble pour une véritable indépendance de notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour terminer mon propos, j'aimerais témoigner aux républiques sœurs du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali notre profonde gratitude pour leur solidarité fraternelle agissante. J'aimerais également remercier tous les États amis et partenaires sincères ainsi que tous les autres amis du Niger qui nous ont jusqu'ici témoigné leur solidarité agissante et leur ferme soutien en cette étape difficile de l'histoire de notre pays. Les Nigériens n'oublieront jamais leur soutien historique et ne baisseront jamais la tête face à ceux qui veulent détruire notre pays comme ils l'ont déjà fait en Libye et dans d'autres pays encore. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive le peuple fier et souverain du Niger. Vive le Niger. Je vous remercie.